Bonjour à tous pour ce nouvel épisode de Terra Découverte. Aujourd'hui, je me trouve à Tanneron, un magnifique village à l'est du Var. Et l'idéal est de venir ici en hiver, février et mars. Pourquoi ? Eh bien, parce que comme vous voyez derrière moi, eh bien, il y a des milliers de mimosas qui fleurissent. C'est magnifique. Et donc, avec ce bleu azur et ce jaune de mimosa, ça rend des couleurs magnifiques, des paysages vraiment superbes. Tanneron, la commune du Var, la plus fleurie en matière de mimosa. Au sein de ces véritables forêts jaunes, l'odeur y est capricieuse et persistante. Il faut venir découvrir ces milliards de petites boules dorées et duveteuses, douces au toucher, délicieuses au nez et si belles à voir. À Tanneron, le mimosa est symbole de luminosité. Il y pousse aujourd'hui abondamment, un peu partout à l'état sauvage. Mais le massif à Tanneron est favorable aussi à la culture de l'eucalyptus. Tanneron est bordé au sud par le Rioux, à l'ouest par le lac Saint-Cassien et au nord et à l'ouest par la Siane. La vue s'étend de la côte Ligure aux Alpes de Haute-Provence. Regardez, c'est vraiment magnifique. Ici, on est dans l'endroit en France où il y a le plus de mimosa au mètre carré. Voilà, on quitte Tanneron, qui est d'ailleurs derrière moi. Et là, on va aller faire une boucle et on va aller faire les crêtes. Je pense qu'on va voir de belles images. C'est parti. Là, je descends vers la vallée. D'ailleurs, c'est vraiment bien ensoleillé de ce côté. Et certainement que tout à l'heure, je serai quelque part au niveau des crêtes. Voilà, tout ça, ce sont des jeunes mimosas. Ici, il en pousse tous les jours. Et ce cours d'eau sur notre tracé. Alors, ce qui est bien, eh bien, c'est qu'il y a, comme ça, en pleine nature, des tables de pique-nique. Pour s'arrêter et reprendre des forces. En tout cas, c'est un magnifique arbre, le mimosa, eh bien, qui enchante en couleurs l'hiver. Et donc, il y a déjà des couleurs l'hiver dans ce sud de la France, bien avant le printemps, un mélange de vert, jaune et bleu du ciel. Regardez-moi cette Provence avec au premier plan les eucalyptus, puis une rangée de mimosas et la vigne là-bas en pente en restanque. Belle Provence. Et voilà, du mimosa de partout. Tout ça naturellement. Regardez sur le même arbre. Lui, il vient à peine de s'épanouir. Le jaune est vif. Et là, c'est un jaune un peu plus terne. C'est magnifique. En tout cas, il n'y a aucun coin en France où vous verrez autant de mimosas comme ça, en pleine nature. Voilà, c'est ici, à côté de Tanneron. Il faut venir.
Voilà, là c'est assez sport, hein. On monte, hein. Parce qu'en fait, dans notre boucle, eh bien, on va faire cet arrondi, hein. Mais il y a une alternative, hein. On peut prendre un sentier transversal comme ça, qui est beaucoup plus simple, hein. Bon, vous savez que moi, j'aime à la fois cette belle nature, mais aussi bien aller en haut des cimes, hein, au niveau des crêtes. Voilà, ça grimpe pas mal, hein. Et là-bas, on voit Tanneron, hein, où on était tout à l'heure. On surplombe tout ça, c'est magnifique. Voilà, changement un peu de décor, hein. On quitte les grands sentiers. Et là, c'est sympa. On retrouve des petits sentiers tels que je les aime, hein. Même si ça continue à monter encore. Voilà, après cette montée, hein, assez raide quand même, hein. Pas longue, mais costaud. Voilà, en tout cas là, ils doivent produire du miel. Puisqu'il y a beaucoup de ruches, hein. Et je peux vous dire que le cadre n'est pas plus sain pour faire un excellent miel. Regardez, hein, ici il y a une plantation d'eucalyptus, hein, et ils sont toujours là, hein. C'est magnifique, mimosa. Regardez, c'est vraiment impressionnant, hein. Tous ces mimosas, incroyable. Voilà, là, changement aussi de décor, hein. On traverse des petits hameaux, c'est vraiment paisible, hein. Et je peux vous dire que ça reste quand même agréable. Voilà, on va prendre les chemins des Margoutons. Allez, petit topo, hein, et avec une belle vue, hein. Donc on vient de là-bas, hein, tout au fond, Tanneron. Et vous voyez, on fait une belle boucle, hein, qui nous a mené un petit peu donc jusqu'à ce premier hameau. Et ici, donc on a de la route, hein, mais c'est vraiment agréable parce qu'il n'y a pratiquement aucun véhicule. Et là, la boucle elle va continuer. Et puis après, on prendra des sentiers qui nous ramèneront à Tanneron. Regardez-moi ce tableau, hein. C'est magnifique. Voilà, on a quitté la route, hein, et on récupère ces sentiers, hein, les sentiers des crêtes, hein. Et là, l'atmosphère, elle est tout simplement magique, hein, magnifique, hein. Un régal. Là, je peux vous dire qu'il y a un raidillon, ça monte, c'est sport. D'ailleurs, je commence à avoir le souffle coupé, mais par contre, c'est magnifique. Mais ça grimpe bien. Voilà, toujours en pleine ascension de ce raidillon. Au milieu de ces mimosas qui nous font la haie d'honneur, hein. On est vraiment encouragé par tous ces mimosas qui nous acclament, hein. Magnifique. En tout cas, ça me fait toujours un grand plaisir de partager avec vous ces moments de nature, hein. Et je peux vous dire que la nature elle fait énormément de bien à l'humain. Pourquoi? Eh bien parce que la jeunesse de l'homme et de la femme, hein, elle part de là, hein, de ses origines,
de la nature. Et automatiquement, eh bien, tout ce qui est d'environnement de la nature, eh bien, donne des forces naturellement, eh bien, bien sûr, à l'espèce humaine. Et voilà, on va se poser quelques minutes avec une bonne salade au milieu des eucalyptus et face aux mimosas. Voilà, on quitte le dernier petit hameau. Et là, on va redescendre vers la vallée et nous rediriger vers Tanneron qui nous attend. Et là, vous voyez, comme partout ici sur les terres, on plante aussi beaucoup d'eucalyptus qui viendront se confondre donc avec ce magnifique mimosa. Donc vous voyez, Tanneron est derrière là-bas. Il y a la boucle faite avec un zoo, c'est ça. Puis on atterrit vers le haut là pour arriver ici. Et là, on découvre un puits en pierre, très beau, cœur de la nature. On se retrouve maintenant dans les sous-bois. Alors j'adore toujours, vous le savez, l'alternance du paysage. Voilà, donc là, c'est agréable de changer un petit peu. Tout ça nous mène donc vers le magnifique village de Tanneron. Voilà, là, cette partie-là descend sévère. Impressionnant. Je voulais vous dire qu'en fait, voilà, moi je fais un tracé un peu quand même technique, assez sportif, qui fait environ 16 km avec 600-700 mètres de dénivelé positif. Mais il faut savoir qu'ici à Tanneron, il y en a pour tout le monde. Il y a des sentiers beaucoup beaucoup plus simples, beaucoup plus courts, avec beaucoup moins de dénivelé, où on retrouve aussi eh bien ces magnifiques mimosas. Voilà, il y en a pour tous les goûts. Voilà, bon, c'est vrai que moi j'aime bien alterner à la fois eh bien les sentiers grand public, mais aussi eh bien ces sentiers, par contre, auxquels je me trouve là pour descendre, où on ne croise personne. Voilà, c'est ça aussi Terra Découverte, c'est d'aller aussi au-delà et ailleurs un petit peu dans d'autres sentiers que le grand public. Alors que la luminosité est très belle en cette fin d'après-midi d'hiver, eh bien voilà, on continue à grimper pour atteindre le village. Voilà, on aperçoit Tanneron ici, là-haut. Il nous reste une dernière côte à faire pour arriver au village. S'achève cet épisode de Terra Découverte. J'espère qu'il vous a plu. Vous avez vu, c'est quand même magique avoir autant de couleurs en hiver. Il faut aller au sud de la France, à Tanneron, et grâce à ces mimosas, eh bien, il n'y a pas besoin d'attendre le printemps. Eh bien, déjà, la nature éclate en couleurs avec cette magnifique farandole de
de mimosa. Voilà, en attendant, n'oubliez pas de partager cette vidéo pour faire découvrir eh bien, ce lieu, hein, de liker pour m'aider à référencer la chaîne YouTube Terra Découverte. Moi, je vous dis à très bientôt et vous le savez, je vous amènerai encore à un endroit toujours magique. À bientôt, au revoir.